Nous rassembler encore une troisième fois pour nous continuer méditation nous pour semaine sainte-là en lieu et place pour retraite carême nous pour année 2020. Nous avons continué à méditer sur le thème que nous avons proposé depuis le début, hein? Ézéchiel 33, je les guérirai tous et à soya pour nous finir. Nous parlons de la restauration nationale avec la Samaritaine auprès du puits. On s'attend avant de commencer à soir, à nous disposer que nous, pour nous demander, mon Dieu, de remettre l'assistance et la présence. Bon Dieu, grand-mère, bon Dieu, papa, vous voyez petit tout Jésus, il réconcilier terre avec. Mais vous parlez pour qu'il y ait personne derrière. C'est la raison ça qui fait la chita sous pluie avec femme samaritaine pour faire le monde samarien ou le pari dans le bénéfice de l'ivresse. Tant pis, pas quitter aucun frère avec ce noyau qui est malade et qui a souffert dans le moment ça derrière, puisque vous mourrez pour vous. Permettre que nous toutes et nous chaque, nous jouions une potion panne dans la grâce de délivrance au poté. Pas pour voir Jésus-Christ comme être un petit tout, les mêmes cap vivre ensemble avec vous avec l'Esprit Saint, je vous dis à tout le temps qui vient de temps. Amen. Psaume 62. En Dieu seul, le repos pour mon âme, de lui mon salut. Lui seul, mon rocher, mon salut. Ma citadelle, je ne chancelle pas. Jusqu'à quand vous ruiez sur un homme et l'abattre, vous tous comme une muraille qui penche, une clôture qui coule. Il ne pense qu'à lui faire perdre sa dignité. Ils prennent plaisir aux mensonges. De la bouche, ils bénissent. Au dedans, ils maudissent. En Dieu seul, repose-toi, mon âme. De lui vient mon espoir. Lui seul, mon rocher, mon salut. Ma citadelle, je ne chancelle pas. En Dieu, mon salut et ma gloire, le rocher de ma force. En Dieu, mon abri, fiez-vous à lui, peuple, en tout temps. Devant lui, épanchez votre cœur. Dieu nous est un abri. Un souffle seulement, les fils d'Adam. Un mensonge, les fils d'homme. Sur la balance, s'ils montaient ensemble, ils seraient moins qu'un souffle. N'allez pas vous fier à la violence, vous en soufflant en rapine. Aux richesses, quand elles s'accroissent, n'attachez pas votre cœur. Une fois Dieu a parlé, deux fois j'ai entendu. Ceci, que la force est à Dieu, à toi, Seigneur, l'amour, et ceci, toi, tu plais, l'homme selon ses œuvres.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus et la Samaritaine. Jésus arrive donc à une ville de Samarie appelée Sychar, près de la terre que Jacob avait donnée à son fils Joseph. Là se trouvait la source de Jacob. Jésus, fatigué par la marche, se tenait donc assis tout contre la source. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vient pour puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Ses disciples, en effet, s'en étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine? » Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais le nom de Dieu et ce qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire, c'est toi qui l'aurais prié et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où l'as-tu donc, l'eau vive? Serais-tu plus que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et y a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses bêtes? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura soif à nouveau, mais qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui source d'eau jaillissant en vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et ne vienne plus ici pour puiser. » Il lui dit, « Va, appelle ton mari et reviens. » La femme lui répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. » La femme lui dit, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, vous dites, c'est à Jérusalem qu'est le lieu où il faut adorer. » Jésus lui dit alors, « Crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui adorent, c'est en vérité et en esprit qu'ils doivent adorer. » Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous arrivons dans la troisième partie, réflexion noire, troisième jour. Dans ça, nous considérons comme un retrait pascal pour année ça, qui sont années spéciales. Et comme nous t'ai déjà annoncé, dans la troisième partie, nous allons essayer la restauration nationale. Peut-être, il y a des gens qui t'ont attentivement. Dans la lecture de l'évangile Saint-Jean, la Samaritaine et Jésus au bord du puits, où tu es capable de demander tête où, côté national, ça a sorti. Parce que ouais, Jésus, c'est avec le seul monde qui t'a parlé. Eh bien, on va essayer de remettre le texte là dans le contexte pour nous comprendre pour qui ça nous parlait de restauration nationale. Roi David fait un péché. C'est pas plus gros péché qu'il a fait. Puis, gros péché David fait d'après la Bible, c'est le recensement d'Israël. L'elle décide qu'on est combien de monde qui dans le pays y a. C'est pour faire orgueil, pour montrer est-ce que c'est l'équipe qui roi. Parce que autrefois, surtout dans la Bible, il montre nous que un roi grand à partir de
grandeur nation l'a dirigé en nombre bien entendu. Alors puis gros péché David, c'est pas péché adultère avec Bathsheba, madame Uria qui prend maman roi Salomon. La Bible dit c'est plutôt recensement Israël que bon Dieu pas permettre qui peut être fait. Alors si nous partis avec formule ça que prophète Ézéchiel tout comme prophète Jérémie dit nous papa a mangé raisin qui vient dans petit Dieu gâté. Prophète Nathan te à côté David pour dire David pour tes péchés sont faire ou quitter tout mouton yo, parce que David te gagne un caille qui plaît femme à l'aime moi et puis pour la grande madame une seule madame que yo ne gagne. Il dit peut-être ça et parce que ou t'es fidèle dans service moi m'pap quitter malheur arrivé pendant vivant mes petits ou yo va payer prière. Salomon dirigeait Israël, Salomon mourit et tout de suite Salomon mourit problème d'arrivée. Israël divisé en deux et petit David yo tombé bataille pour pouvoir comme ça tout. Division ça qui mène à une bâille naissance à deux royaumes. 10 tribus séparées de Kaï David. Il y a le bâille tête nom, le royaume d'Israël, avec Samarie pour capitale, dans le nord. L'autre deux tribus, ils ont été attachés à Israël, ils ont été tête le royaume de Juda dans le sud. Avec Jérusalem pour capitale. Roi Salomon III goumé avec Samarie, li soumet la Samarie. Et qui ça le fait? Li mène tout fille, li quitte tout fille dans le pays et mène tout garçon en exil. Mais pour que les garçons qui retournent vivre, li choisit 5 nations que déjà bat déjà. Li fait yon vini, vini remplacer monsieur Samaritain. Deuxième livre des chroniques dit nous, 5 nations sa yo, yon vini avec 5 idoles différents. Mots idoles là dans la Bible, c'est Baal. Confusion en français, c'est que Baal, c'est mot sa yo utilisé qui pour exprimer ni yon idole, ni yon mari spirituel. Alors, ça veut dire, nous commençons à compter et comprendre l'idée afin de 5 maris, Jésus a parlé à la femme. Ça qui est belle, Jésus a parlé avec Fissa, Fissa tellement loin Jésus qu'on histoire nation, c'est-à-dire la Samarie, lui accepte de faire tête, lui tourner, interprète histoire ça. Jésus dit fille à chercher Marie. Mais Jésus c'est pas Marie fille. Dans le sens Marie madame nous connaît, il t'a parlé. Il t'a fait retourner plutôt à spiritualité. D'ailleurs, pour finir texte là, nous avons une question d'adoration. Les ancêtres yo dit c'est sous mon ça pour adorer ou même mon pour yo dit c'est Jérusalem. Jour après arriver. Quand tout le monde qui va l'adorer, tout bon, il n'y a pas besoin ni Jérusalem, ni sous mon Samarie, mais à adorer en esprit et en vérité. Et sixième mari, non, mais on n'a pas pour vous. C'est-à-dire, ou bon l'autre pays qui occupe, qui c'est Rome, ce n'est pas mari ou lié tout avec Zidol Lipote. Fille, pas de Jésus, aucune réponse. Une fille qui est blessée dans la dignité, tu as supposé que tu as qui entre dans la personnalité, Jean-Jésus rentre pied, mélangé dans la vie personnelle, fils ça, entre parenthèses. Fille a répondu avec un pile calme, et réponse liée, son réponse spirituelle que liée. Alors, fils ça, image toute la Samarie, fait nous comprendre qui ça. Samarie te séparé avec Juif yo pendant longtemps. Or, Jésus te venu pour sauver d'abord Israël. Mais faut nous pas oublier, Israël c'est pas seul pour mon lien
après la mort Salomon, ces deux nations lui viennent tourner. Jésus fait dans la partie sud là, c'est-à-dire le royaume de Juda, qui est Jérusalem pour la capitale. Mais l'autre partie, côté distribué, alphabé, royaume d'Israël, qui c'est Samarie pour capitale, Jésus beaucoup réconcilié avec mon Dieu. L'élève de Samarie l'a réconcilié avec bon Dieu, ça qui voyait venir mourir pour délivrer tout le monde. Comme ça, tout Jésus présente tête comme un monsieur marié parce que c'est beaucoup de pire chita et c'est beaucoup de pire rencontre en fait. Nous connaissons dans l'Ancien Testament, puis c'est symbole mariage, c'est symbole alliance. Premièrement parce que le haut, mais deuxièmement parce que le bagage commencement, comme une balle. Et femme ça, les chita dans pied Jésus représente nation ça, Jésus vient marié avec, vient réconcilier avec là, tout comme Sipora dans Exode chapitre 5, te chita dans pied Moïse, sous yon puito, avant yon marié. Tout comme Rebecca, pral chita dans pied Isaac, avant le marié, sous yon puits. Tout comme Rachel, pral chita dans pied Jacob, dans pied Negli pral marié, dans yon puits, sous yon puits. Alors, présence Jésus dans le moment ça fait nous songer image de l'époux, l'époux d'Israël. Ça fait nous songer prophète Osée, chapitre 3. Moi, Yahvé Sabaoth, je suis ton époux, ô Israël, et tu m'as été infidèle. Jésus vient restaurer alliance bon Dieu avec Israël en entier. Israël à l'époque, c'est deux portions liées, royaume de Juda dans le sud et royaume d'Israël dans le nord. Jésus déjà prêché Jérusalem, mais le pote que prêché la Samarie. Image femme samaritaine avec Jésus montrez-nous que plan bon Dieu pas visé yon moun. Bon Dieu, pas nan parti pris. Bon Dieu, pas de partisan personnel. Li gen rapport avec tout petit li. Et quel que soit moun ki kwen nan li, rapport li avec la, c'est un rapport qui établi sous la vérité ak sou remè. Et ça ka fè pou youn, la fè pou l'autre. Comme ça, après-midi, dans la dernière portion de méditation, nous avons pour retrait 2020, m'a fait nous songer que, quelle que soit situation ou bien position, bon Dieu, ça, que nous croyons en l'IA, il y a une relation spéciale avec. Et même Jean Jésus marchait, il quittait le royaume de Juda dans Dol pour chercher la Samarie. Qui pas qu'on réconcilier avec elle, c'est comme ça tout, dans le moment ça, la cherche nous toutes qui perdu et la rejoindre nous toutes qui ouvert cœur nous, qui ouvert la vie nous, comme un livre pour nous bal entrer. Il y a un pile monde dans le moment ça qui bouleversé, il y a un pile monde dans le moment ça qui veut perdre tête, il y a un pile monde qui pas comme qui ça yo tabay. Pour retourner immédiatement à Jean qui était convive. Nous pas faire rien pour nous faire ça tourner avec propre vœu pas nous. Mais nous connaît c'est là qui voulait bien tout le monde et qui pas oublier personne dans monde parlio lui-même, il a fait ça pour. S'il vient pour restaurer la Samarie, il a restauré les États-Unis tout. S'il restaurer la Samarie dans alliance amitié, dans alliance de rédemption, il a restauré Haïti, il a restauré la Dominicanie, il a restauré le monde entier, puisque le monde sorti dans même,
c'est pour lui que nous y. C'est vrai qu'il y a un pile qui est sauté, mais nous avons un pile raison tout pour nous rester confiants. Parce que le gardien d'Israël, l'époux du peuple de Dieu, il ne dort pas. Il reste éveillé et son amour est à jamais. Nous disons, bon Dieu, nous, merci pour parole. Et nous disons merci pour qualité cadeau ça, parce que le bagne personne ne nous perdit, mais il veut guérir tout. Tant que le prophète Jérémie dit, dans le thème noir. Amen. Et à ce moment-là, pour nous finir, nous finir avec une note spéciale. Nous prenons un petit moment en présence de Jésus, la source de vie, la source de paix, la source de toute joie. Nous prenons un petit moment d'adoration et c'est avec un petit moment ça, nous clôturer retraite nous, nous clôturer 3 jours de méditation spirituelle. Situation n'a traversé jeudi à montrer pas de aucune nation qui grand si c'est pas dans nous-mêmes yo joine grandeur pas de aucun monde qui tout puissant si c'est pas dans puissance yo puisé nous tête en bas devant pour nous reconnaître que ou pas de pareil ou pas de comparaison et en lien pas qu'à faire sans. Ou dit nous dans parole ou à soi, ou bon de l'eau, bon de bail, et moun qui recevra de l'eau, ça, il n'y a pas de soif. Parce que dans le fond cœur, il y a une source qui a pété, et sous ça, c'est de l'eau qui va là, oui seulement la bail. Nous disons merci Jésus pour qualité de parole, ça. Parce que les vies nous fait force nous, pendant que nous avons un cœur qui est séché, pendant que nous avons une existence qui sèche, dans le jour ça, depuis que nous avons vu ça, nous avons mis des petits doux à genoux. Nous avons un temple
dans miséricorde, gain pitié pour nous. Gain pitié pour le monde. Gain pitié pour nation yo. Gain pitié pour peuple yo. Gain pitié pour malade. Gain pitié pour médecin, infirmière, assistant infirmière, monde qui responsable société civile yo, militaire, monde qui a boumé, qui a essayé pour faire société bouger malgré situation ça. Continuer protéger yo, continuer veiller sur yo. À quelques jours de fête Pâques là, nous demandons tant prie Jésus, fais sans pression là, couler sur le cœur tout le monde qui croit dans vous. Fais tomber sur le monde, purifiez-nous, délivrez-nous. Vous demandez Moïse pour que sans mouton arrête son poids, nous parions, pour que les anges à côté de l'amour partent. Nous demandons tant prie. Sortez fait déjà, renouvelez pour nous pendant que restaurer nous. Nous reconnaissons nous en tort, nous reconnaissons nous pas bon, nous reconnaissons nous ces pécheurs, mais nous reconnaissons par-dessus tout ça que vous-même, ou ces Seigneurs, ou ces Sauveurs, ou ces Libérateurs. Adoration pour vous, Seigneur Jésus. 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 Médecin du cœur, de l'âme et du corps. Visitez tout frère avec ce lieu, tout le monde en bas de l'UA, infecté par Corona, spécialement le monde qui est proche de nous dans la communauté, ça, que nous ne parlons pas, mais que vous-même vous connaissez dans la science. Visitez tout le monde sérieux, tout qui peut dire espoir, tout le monde sérieux qui peut dire tête. Tout le monde sait qui peut, tout le monde sait qui est découragé. Visitez l'église, roi, Seigneur. Visitez les chrétiens, quelle que soit la dénomination. Visitez le monde de bonne volonté. Visitez Sila, qui peut contenir les paroles. Fait qu'à travers l'événement qui a déroulé là, vous découvrez la vérité. Qu'est-ce que vous avez, Seigneur? Plein Jeanne avec l'eau sable des promesses samaritaines.
et vin renouveler alliance, vin restaurer nous-mêmes comme peuple, comme nation, comme monde, comme église, comme famille, pour que nous capables de jouir de faveur, délivrance, ou vin gagner pour nous son croix. À vous-même, Jésus, Monsieur marié peuple, mon Dieu choisi, à vous-même, Jésus, libérateur, à vous-même, Jésus, mouton qui s'entache, à vous-même, Jésus, roi qui soutient tout roi, à vous-même, Jésus, médecin par excellence, à vous-même, Jésus, Seigneur des Seigneurs, soit la gloire, l'adoration, la louange et l'action de grâce, maintenant et pour les siècles sans fin. Amen. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et qu'on y a, demandé Jésus, lui-même qui est présent dans ce sacrement l'autel, là, pour lui bénir. Et demandé pour que bénédiction, qui n'a pas gagné limite, ni barrière, ni frontière, tombe sur nous tous, quel que soit côté de lui. Tomber sous le monde, tomber sous les États-Unis, tomber sous famille, tomber sous peuple. Et c'est avec bénédiction ça, on a demandé bon Dieu de continuer à être avec vous. On a souhaité une bonne soirée et une bonne montée vers vous. Merci, merci mon père. Rendez-vous.